Le gnou est un des rares animaux des savanes africaines qui ne soit pas menacé par l'homme. Le gnou est un antilope au masque africain et dont l'allure fait penser à une vache. Les gnous sont les deux espèces de bovidés du genre Conochaete. Ils sont herbivores et vivent en troupeau en Afrique. Ce sont des mammifères ongulés. On rencontre des gnous en Afrique australe. Ils sont parfois considérés comme des antilopes. Ils sont la proie des lions, des hyènes, des licaons et des léopards. Les guépards chassent les nouveau-nés et les jeunes de 6 mois. Cependant, ils représentent les rares espèces à ne pas être menacées par l'homme. Les gnous en migration se rassemblent pour traverser les cours d'eau. En mars, le troupeau d'environ 1 million de bêtes se divise en plusieurs gros. Ils remontent vers le nord du Serengeti où ils commencent la grande migration en mai pour avancer vers le Kenya et enfin redescendre au sud du Kenya vers mi-décembre. Ils représentent ainsi un terrain de chasse exceptionnel pour les espèces alors concurrentes. Les savanes herbeuses d'Afrique orientale et d'Afrique australe abritent, au sein d'une faune variée, les deux espèces actuelles de gnous, le gnou bleu et le gnou noir. Lorsque le désert était occupé par des savanes boisées, le gnou, grand fauve herbivore, couvrait une aire beaucoup plus vaste. Il y a 300 000 ou 400 000 ans, il habitait le Sahara, où des restes ont été mis au jour dans le Tassili des Agers, en Algérie. Dans ces temps anciens, il était chassé pour sa viande. Il était encore présent en Afrique du Nord il y a environ 10 000 ans. Les gnous sont des mammifères ruminants, de la famille des bovidés. Malgré leur allure singulière, ils sont classés parmi les antilopes, aux côtés des bubales et des damalisques, avec lesquels ils constituent la sous-famille des alcélaphinées, ou grandes antilopes à tête longue et étroite, hôtes des prairies buissonnantes et des savanes. Les grands troupeaux de gnous regroupent plusieurs milliers d'animaux sans structure sociale réelle, en dehors de la période de rute. Ce sont des animaux diurnes, surtout actifs le matin et le soir. Les gnous, que la saison des pluies disperse en harde à travers les étendues herbeuses, broutent à longueur de journée, et même la nuit, sauf si la chaleur les oblige à s'interrompre. Le biologiste Sinclair, qui a étudié les gnous dans le parc du Serengeti, Tanzanie, un animal adulte dont l'exercice est modéré mange chaque jour l'équivalent de 3,12 kg d'herbe sèche, soit 2,4% de son poids, dont il profite au mieux puisque 82% de la nourriture absorbée sont convertis en énergie métabolisable. Ils se constituent des réserves de graisse, vitales pour ce nomade qui n'est jamais assuré de retrouver la même quantité ni la même qualité de nourriture. Le gnou se nourrit pour l'essentiel de graminées, abondantes dans les savanes, comme Temeda triandra, une avoine sauvage d'Afrique orientale, Penistum mesianum, Digitaria macroblephara, Cynodon dactylon, ou chien d'Inde d'Afrique. Il cueille parfois quelques plantes grasses ou des melons sauvages pour se désaltérer, et aussi des feuilles d'arbustes. Le choix du gnou ne dépend pas de l'abondance des plantes mais de ses préférences alimentaires. Ainsi, l'avoine sauvage représente 54,9% de son alimentation. Le gnou coupe les plantes avec ses dents, sans les arracher, et les avale sans mâcher, choisissant avant tout les jeunes pousses de moins de 10 cm de haut. La teneur en protéines des graminées dont il se nourrit est en effet maximale au début de leur croissance, après le début des pluies.
saison sèche, le soleil brûle la savane et la nourriture se fait plus rare. Le gnou complète alors son alimentation avec d'autres graminées, afin de compenser la moindre abondance de ses espèces de prédilection, son régime alimentaire est plus varié qu'en saison des pluies. Le gnou s'abreuve en général matin et soir, lorsqu'il trouve de l'eau à proximité, mais il est capable de se passer de boire pendant 2 à 5 jours. Il est cependant plus dépendant de l'eau que d'autres herbivores des savanes. L'herbe verte, qui recouvre le seringetis au début de la saison des pluies, est indispensable à la survie des nouveau-nés, car le lait maternel ne suffit pas à assurer leur croissance. Aussi, le cycle de reproduction du gnou est-il adapté à cette contrainte. C'est la possession d'un territoire qui permet aux mâles en âge de se reproduire, d'attirer les femelles et de s'accoupler. Dans le cratère du Ngorongoro, les animaux, plus sédentaires, défendent leur territoire pendant des semaines ou des mois, mais les taureaux du seringetis, migrateurs, ne délimitent leur territoire qu'à l'époque du rut. Les gnous mâles règnent sur un harem qui comprend de 2 à 150 femelles accompagnées de leurs petits. Le mâle, arborant un air dominateur, trotte autour d'elles, les obligeant à se regrouper. Le rut se poursuivant lorsque commence la migration. Le territoire du mâle devient itinérant. Il a alors peine à contenir ses femelles, qui ne sont rassemblées que pendant la halte et se dispersent aussitôt que reprend la marche. Mais il continue à les défendre, tant des autres mâles que des prédateurs. Dans ce dernier cas, il ne fuit généralement pas, mais fait face à son assaillant, galope autour de lui, s'ébroue et saute avant d'attaquer. Dans les grands troupeaux du seringetis, 80% des naissances ont lieu en 3 semaines, en général au début de janvier, et toujours le matin. Les femelles à terme se regroupent et s'installent à découvert pour mieux surveiller d'éventuels prédateurs. En cas de danger, la mise bas peut être différée. La période des accouplements varie de 1 à 3 semaines. Généralement, les gnous se battent entre eux, et ce sont les plus forts qui s'accouplent avec les femelles. Le mâle atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 2 ans et la femelle à 18 mois. La plupart des naissances ont lieu le matin, en janvier-février, après une gestation de 8 mois. La femelle, nommée Maroufle, donne naissance à un seul petit, appelé Gaou, de couleur acajou, pesant 18 kg pour un mâle et 14 kg pour une femelle. Quelques minutes après sa naissance, le Gaou est déjà capable de se tenir sur ses pattes et de courir. Il restera avec sa mère jusqu'au sevrage, qui se produit vers 9 mois. Dans la nature, le gnou a une espérance de vie de 18 ans environ. En captivité, il peut vivre jusqu'à 40 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.